vu la demande de liberté provisoire introduite au nom de leur client Mwanga Juju Isi Edouard par ses conseils. Oui, les conseils précités ont exposé de leurs moyens quant à la demande de mise en liberté provisoire. Oui, l'officier du ministère public représenté par le colonel magistrat Dakabwendi Hippolyte, avocat général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont ses avis faits en réplique à la demande. Oui, toutes les parties ont leur contre-réplique, sur quoi le président a déclaré le débat sur cette demande de mise en liberté provisoire clos. Quand le M23 a été défait, étiez-vous, au nom de qui vous, déjà comme commissaire provincial? Lorsque le M23 a été défait, j'étais commissaire provincial. Je suis arrivé, comme j'ai dit, le M23 a été défait le 5 novembre 2013. C'est déjà commissaire provincial. Il nous revient que les policiers qui constituaient une cette unité étaient les anciens du M23 et du CNDP. Monsieur le Président, lorsque le M23 a été défait, j'étais commissaire provincial. Je suis arrivé, comme j'ai dit, le M23 a été défait le 5 novembre 2013. Déjà commissaire provincial. Les prévenus Mwanga Juju Isi Edouard, député national, et Mouchamali Roabali Robert, commissaire principal de la police nationale congolaise, sont poursuivis devant la haute cour militaire en procédure de flagrance pour les faits ci-après résumés par le ministère public dans son avis dès le premier arrêt avant dire droit. L'armement dont était dotée cette unité était-il l'armement affecté par le commissariat provincial ou c'était l'escadron ou que parce que vous avez dit que cette unité était formée des éléments qui étaient pris dans les différents polices de mine ou que chaque élément partait avec son arme et son unité d'origine? Unité constituée. Et cette unité, il y avait une dotation. Je ne sais pas, en tout cas on peut vérifier dans l'arsenal, en tout cas des armes qu'on a mis, je ne peux pas dire c'est combien parce que ça fait quand même déjà un bon bout de temps. Mais au niveau des bureaucrates, on doit retrouver les nombres des armes mis à la disposition de cet escadron. Dit la requête de mise en liberté provisoire ou de en résidence surveillée, introduite par le prévenu honorable Mwanga Juju Isi Edouard, recevable mais non fondée, et la rejette. Ma mission TV, le miroir du monde. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs. Et je vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant de police d'audience, premier sergent-major, Kalema Chimilou, Alain. L'audience de la Haute Cour militaire, toujours découverte, car mon
Sors de mon général. Arme. Oh. Dépôt. Invité par la haute cour, soit à sa demande, soit à la demande de la partie civile, viennent comparaître. Sont-ils arrivés? Les exploits sont-ils, ont-ils atteint les concernés? Sont-ils arrivés? Sont-ils dans la salle? Quoi? Sont arrivés puisqu'ils sont dans la salle? Quelques-uns. Quelques-uns sont dans la salle. Alors procédons à la vérification. Monsieur le commissaire supérieur adjoint Kassongo Ngoy Vance, est-il dans la salle? Ok. Monsieur le commissaire divisionnaire adjoint Abba Van Han François, est-il dans la salle? Il n'est pas là. Monsieur le commissaire divisionnaire Awashango Oumia Vital, est-il dans la salle? Ok. Monsieur le commissaire divisionnaire adjoint Niembo Ngalusha, placé. Je suis dans la salle, je suis une rectification, je suis commissaire. Adjoint, c'est un commissaire divisionnaire. Il est dans la salle. Le commissaire provincial de Goma, ce qui est écrit sur l'exploit, Bongo, oui, faitement, oui, faitement, est-il dans la salle? Non. Le commissaire principal Sadiki Kamango, Ismas, il est pas là. Il est décédé. Ah bon? Décédé? Le principal Sadik? Oui, il est décédé, il y a déjà une année. Alors vous ne l'avez pas dit à la haute cour quand il a été décidé qu'il comparaisse. Vous voulez qu'on le ressuscite de mort, vous revient? Je pense que les jours que je me présentais, j'avais dit paix à son âme quand j'ai perdu Sadik. Ok. Pour le commandant police d'audience. Monsieur le commandant police d'audience. Isolé par enseignant. Dengue Ibeke Yobi. Ils sont encore venus. Alors, combien commissionnaire. Monsieur le commissaire, en raison de vos responsabilités dans la police nationale congolaise, selon les pièces à la disposition de la haute cour, vous allez comparaître comme renseignant. Raison pour laquelle vous n'allez pas prêter serment. Sur demande de la partie civile, mais avant que la partie civile n'ait l'occasion de vous poser des questions, la haute cour qui est la consommatrice de toute la matière qui est produite à l'audience va commencer par vous poser quelques questions. Quelle est votre identité pour que ce soit. Merci, monsieur le président. Je suis disposé pour incliner le dit. Allez-y. Je m'appelle Awashango Oumia Vital. Je suis commissaire divisionnaire. J'assume actuellement la fonction de directeur national de l'enseignement général de la police nationale congolaise. Assumer les fonctions au sein de la police dans le Nord Kivu. Pourrait estimer la fonction du commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu. Du 4 décembre 2012. Au 24
juillet 2017. Eh bien, la préoccupation de la Cour est de voir dans quelle mesure la gestion des agents de la police nationale congolaise mis à votre, sous votre responsabilité ont été utilisés pendant cette période-là. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'il y a des policiers qui ont été affectés, détachés, nous ne savons pas encore, dans la concession minière appelée Société minière de Missoum, SMBNC. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Monsieur le Président. Ok. Que en matière d'exploitation des minerais, il y a les instructions du commandement suprême d'ailleurs, qui interdisait la présence non autorisée, bien entendu, des éléments de la police comme ceux de l'armée dans les concessions minières. Pouvez-vous dire à la Haute Cour par quel mécanisme, vous en tant que le responsable numéro 1 de la province, par quel mécanisme ces éléments se sont retrouvés dans cette concession minière? Au sein de la police nationale congolaise, nous avons des unités de police des mines. Et ce sont ces unités-là qui s'occupent de tout ce qui est mine, même de protection des sites sur demande de telle ou telle entreprise. C'est dans ces cadres, à l'instar des autres sites miniers, que en 2015, si j'ai encore bonne mémoire, c'est en 2015 qu'on a signé un contrat. Parce que la gestion, c'est suivant un contrat qu'on met à la disposition de tel ou tel référent et policier en détachement. Et au niveau de la province, à l'époque, je me rappelle qu'un contrat a été signé entre la SMB et la République démocratique du Congo, représentée par le commissaire provincial qui signe les contrats au nom du commissaire général par délégation de signature. Et l'exécution, les hommes qui doivent exécuter provenaient de la police des mines, des Massissi. Parce qu'il y avait la police des mines à Massissi, c'est de même, c'est la même chose comme à Walikale avec Alphami. Si la Haute Cour vous a bien compris, le soubassement du travail de ces policiers, de la présence de ces policiers dans la concession est un contrat de gardiennage signé entre la police et la société. La République démocratique du Congo est représentée par la police et la SMB, Société minière de Missoum. Mais dans un premier temps, en attendant qu'on retrouve le contrat, lorsque le dossier Mwanga Tchouchou a commencé, la Haute Cour a donné un certain nombre de voix au ministère public. Et le souci était d'identifier parmi d'autres soucis, il fallait identifier les policiers qui ont pu à séjourner dans cette concession minière là-bas. Et en réponse, une liste des policiers a été dressée
avec une idée de provenance. Pour revenir à votre idée selon laquelle il n'y a que la police des mines qui a mission, de par la volonté de la loi, de travailler dans les concessions minières. Mais les listes reçues par la haute cour militaire renseignent, je prends par hasard, c'est la côte de la Soufarde 5, côté 45 ou 34, pardon. Côte couleur verte, c'est 45, bleu, c'est 34. Liste des policiers présents à la SMB par unité de provenance. Et les unités de provenance, il y a par exemple l'escadrille Adem Siat provincial qui a envoyé 13 militaires, unité escadrille PMH qui a envoyé ses militaires, ses policiers, pardon, 24. Il y a le Siat Ter Kichanga qui a envoyé 25 éléments. Le Siat Ter Masisi qui a envoyé 16 éléments. Le Siat Urbain, un élément. Siat Ter Ruchuru, 2 éléments. UPI, un élément. Policier sans unité, 4 éléments. Pour revenir à votre idée, est-ce que tous ces policiers-là faisaient partie de la police, de la structure de la police appelée police des mines? Monsieur le Président, je voudrais savoir à quelle date on avait signé cette liste. Je ne suis pas sur la liste, mais ce sont les... Peut-être ceux qui sont venus avant ou après vous, je ne sais pas, parce que vous dites que tout a commencé en 2015, mais la réquisition de l'organe de poursuite était récente. Et en réponse, en parcourant les archives de la porte de la province, on a renseigné. Voilà. Il est renseigné que les unités qui étaient détachées à Bissouzou ne provenaient pas d'une seule unité, d'une seule structure, mais ce sont des gens qui étaient pris comme ça dans chaque unité, les unités territoriales, l'administration et tout, et tout. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à votre réponse? En tout cas, je ne sais pas si peut-être c'était fait après moi. Parce qu'avec moi, si vous partez dans le contrat, vous voyez que je me trompe, c'était 20 policiers de la police des mines qui étaient détachés à Bissouzou. Parce qu'il y a d'abord la police des mines pour l'ensemble du territoire de Masisi, et il n'y avait que 20 qui devraient être détachés à SMB. Et la personne qui signait les documents, c'est les commandant des polices des mines et non les commissaires provinciaux. Parce qu'il dépendait du commissariat territorial de Massis. On peut ainsi l'appeler. Est-ce que le prévenu Mouchamali ou le commissaire principal était-il à Bissouzou ou était-il ailleurs de 2012 à 2017? Je ne sais pas, hein, mais en tout cas, le commandant des polices de mines, ce n'était pas lui. De 2015, lorsqu'on a signé les documents, jusqu'en 2017, avant mon départ, en tout cas, le commandant était un autre. Je ne sais pas, les gros, comment il s'appelle, il peut donner le nom. Excusez-moi, Chamaléwa, que vous êtes arrivé à Bissouzou. Est-ce que le renseignant du jour était avec vous, donc le commissaire divisionnaire Awachango Vital, était-il en poste honorifique? Comme commandant Estados, j'étais adjoint de
commissaire principal à l'époque, Tanguibi Mariti. C'est lui qui était le commandant escadron, moi j'étais son adjoint. À la source? Non, d'abord à l'escadron. C'est lui qui était le commissaire divisionnaire présent, c'est lui qui était le commissaire provincial. Et moi, j'ai passé à Bissounzou en 2018, je pense qu'il n'était plus là. Tu avais dit que les policiers qui étaient envoyés dans cette concession provenaient de différentes unités. Est-ce que vous pouvez encore le confirmer? Parce que quand on faisait la liste nominative, on mettait l'unité d'origine de chaque policier. Ok. Monsieur le Premier Président, le commissaire principal Mouchamalu a dit qu'il était commandant second de l'escadron. À ce que je sache, escadron police des mines et hydrocarbures, d'où? Ouais. Merci beaucoup, monsieur le Premier. De Batama, c'est-à-dire que le détachement de la SMB dépendait de cet escadron. À ce que je sache, est-ce que M. Léon peut nous répondre? Mon général, à l'époque, quand j'étais le commandant escadron adjoint, je n'avais pas accédé à un tel document, mais à un certain document qui montrait que ces détachements dépendaient à l'escadron. Seulement, on a enregistré les éléments qui étaient là-bas, mais celui qui signait les contrats, je ne savais pas qui signait parce que, comme j'avais dit, je n'ai jamais accédé à ces contrats. Et je ne pouvais pas confirmer que ces détachements ou bien les éléments étaient détachés par l'escadron. Organique de la police. La police de SMB était la police des mines, un détachement de la police des mines. Et ce détachement ne dépendait pas comme ça directement du commissariat provincial. C'était une unité organique qui dépendait d'un escadron. Et l'escadron, c'est l'escadron police des mines de Massissi. Mouchamalu a bien le confirmé, oui ou non? Je me souviens que j'avais même dit que c'est une unité détachée, une sous-unité, mais c'est le commandant escadron qui en donne rapport. Je l'avais encore appelé ici, mon général. Que le soubassement de la présence de ces éléments à Bissouzou, c'est un contrat de gardiennage. Il y a effectivement aussi un contrat. Un contrat de gardiennage entre la société minière de Bissouzou et la République démocratique du Congo par le truchement de la police nationale congolaise. En son article 8, qui concerne le lieu d'exécution du contrat. Voici l'article. Le présent contrat de gardiennage s'exécute exclusivement sur les lieux localisés à l'adresse ci-après. Deux points. Avenue du Golfe, numéro 11, commune Goma, téléphone 082-105-3708, ville ou cité, quartier Kitando gauche, Katindo gauche, Libatama, Massissi. P47. Alors là où on ne comprend pas très bien, c'est l'exécution devrait se faire à Goma ou ailleurs, parce qu'on commence par Goma. Et ça dit que les éléments devait se baser à Goma et à Bibatama à la fois dans la Sicile.
Et l'adresse de Goma, c'est l'adresse où c'est comme ils ont cité. C'est là où on trouve les responsables. C'est parce que c'est une personne morale. Et pour exécuter le paiement, tout ça, la DGRAL, c'est dans cette adresse-là on doit aller, qu'ils ont été justifiés. C'est dans ce sens-là. C'est à Goma, c'est-à-dire si la DGRAL, parce que dans le cadre de la transabilité et de la redevabilité, c'est dans cette adresse-là que le paiement doit s'exécuter. S'il y a par exemple recouvrement par force et consort, c'est là-bas où les services doivent s'y rendre. De la haute cour est de savoir si les éléments qui devaient être détachés par le commissaire, donc l'escadron de police des mines, devaient être cantonnés à Goma ou à Bibatana. Abibatante, c'est à SMI. C'est les 20 personnes devraient être là-bas. Et ces hommes-là sont fournis pas par nous, c'est fourni par l'escadron de Massis. La mission, l'exécution, en dehors des autres missions, c'est les commandants de police des mines de Massis qui détachent les gens à SMI. Fixer la durée à 6 mois. Est-ce que vous le renouveliez régulièrement ou bien c'était une tacite reconduction et c'était comment? Si, monsieur le président, il y a la reconduction tacite ou sur demande de ligne de base. Mais en tout cas, de 2015, lorsqu'on a signé les contrats, jusqu'à 2017, avant mon départ, je ne crois pas qu'il y a un avenant qu'on avait signé avec... Nous sommes restés, je crois que c'est après moi, je ne sais pas si c'est de quel contrat. Parce que les contrats, après les changements, il devrait y avoir d'autres avenants qui rectifiaient, comme je vous ai dit pour la transabilité et consorts, devraient rectifier l'ancien contrat. Ok. Le contrat de 2010. Pour l'enseignant. Vous avez dit que quand vous étiez là, le bulletin de service était signé par le commandant escadron police des mines. Le confirmez-vous? Oui. Quels étaient, parce que c'est vous qui avez signé le contrat de gardiennage, quelles étaient les modalités de paiement, parce que SMP devait profiter de la sécurité de la police. En retour, SMP devait payer ces services-là. Quelles étaient, à votre époque, les modalités de paiement de services dont bénéficiait la SMP de la part de la police? Non. Les modalités de paiement, c'est-à-dire le contrat est signé à 3 exemplaires. Il y a un exemplaire pour la police, il y a un exemplaire pour la société, il y a un exemplaire pour la DGRAT. Le paiement, c'est à DGRAT et qui doit normalement nous retourner seulement la preuve de paiement. Et si il n'y a pas de paiement, c'est la DGRAT qui constate et qui fait le recouvrement, soit forcé. Et à ce moment-là, si la DGRAL s'est plainte, à ce moment-là, nous entrons dans la danse et pour accompagner les gens de DGRAL pour le recouvrement. Et au niveau de la police, il y a aussi l'audit. Il y a l'inspection qui contrôle. Je vois que c'est comme ça que là, c'est ça les modalités. Ça s'est payé directement au niveau de la DGRAL. Il n'y avait pas de frais, rien n'était payé au commissariat. Si, ils peuvent le dire combien ils donnaient, combien ils versaient au niveau de la police. Quelque chose de la part de bénéficiaires de ces services. Les policiers
bénéficier de quelque chose. Je crois que c'était 90 dollars à l'époque. À moins que je me trompe. Parce qu'il y avait pour les besoins et tout ça, chaque policier avait 90 dollars. Je crois que c'est, à moins que je me trompe. Mais ils avaient quelque chose pour leur survie. Monsieur le Premier Président, question à Moucha Malivoua. Moucha Malivoua, vous étiez commandant second escadron. Escadron police des mines Massis. D'après vous, quand vous étiez là, quels étaient les effectifs du détachement police des mines à Abibata? Si j'ai bonne mémoire, en 2015, est-ce que j'ai bien me rappelé, mais ça doit être que c'était 20, si je ne me trompe pas, à 2020, parce qu'on recevait la liste des policiers qui étaient là-bas. Allez, moi, Gérald, comme je le disais, je suis commandant Sego. Si le commandant Estado avait signé le contrat, il ne m'avait pas associé. Mais quand la liste venait, le commandant qui était sur place envoyait la liste. Moi, je l'ai comptabilisé, j'ai comptabilisé les éléments sur la liste nominative. C'était 20. C'est qui a envoyé la liste? Les commandants qui étaient à Kisumu à l'époque. Commandant, est-ce qu'il a droit à dire? Non. Celui qui envoyait les listes, c'était le commandant de l'escadron ou bien le commissaire provincial? Je disais, je suis arrivé dans l'unité que ce détachement était là-bas. Maintenant, à la fin du mois, les commandants qui étaient détachés à la SMB envoyaient la liste de ces hommes pour que nous puissions les comptabiliser parmi les autres. Parce qu'ils étaient déjà détachés là-bas. Vous qui recrutiez ces éléments-là pour envoyer la liste au commandement? Ou bien c'est le commandement qui vous envoyait les gens que vous deviez commander? Et ces détachements étaient déjà actifs. Il y avait aussi des éléments. Comment ça se passe? À chaque fin du mois, le commandant qui est détaché sur place, il envoie la liste de ceux qui sont présents parmi ceux-là qu'on lui avait donné. Qui lui avait donné? Parce que c'est l'escadron qui donne. Qu'on lui avait donné, on sait qui? On sait qui? Moi, j'ai bien dit, les éléments étaient déjà détachés. Détachés par qui? C'est ça, même ma question. Parce que on me donne l'organigramme de l'escadron. Section telle, autant d'éléments. Détachement telle, autant d'éléments. Équipe telle, autant d'éléments. C'est comme ça que j'ai recevé la liste, mais ils étaient déjà détachés à la société. C'est ce que je suis en train de dire. Et le commandant escadron ne m'avait jamais dit que c'est lui qui aurait détaché ces hommes, peut-être parce qu'il ne voulait pas que je sache que c'est lui qui aurait signé les contrats. C'est un peu ça. C'est lui qui signe le contrat, Jean-Marie Roy. Moi, Gérard. C'est lui qui signe, il vous dit que c'est lui. Et c'est comme ça, effectivement, tous les contrats qui sont là ont été signés au nom de la République, par le commissaire provincial qui représentait le commissaire général de la police. Ce n'est pas le commandant escadron, mais seulement, d'après ce que le commissaire provincial à l'époque vient de dire, ces éléments étaient détachés par l'escadron qui a fourni ces éléments. Et il dit même que c'est le commandant escadron qui signait les butins de service, en son temps, en son époque. Et en ce moment-là, vous étiez second commandant escadron. Je vous ai dit que le commandant second n'est pas rien. C'est lui qui a l'administration. C'est lui qui a l'administration. La preuve en est que parmi les enseignants, on a appelé le commandant second du commissariat provincial. Qu'en dites-vous? La question de savoir si c'est le commandant escadron qui signait le bulletin de service ou pas. Mouchama lui, ma préoccupation est d'abord 20 personnes dans ce détachement du Batam. Je viens préciser que à cette époque, quand je suis arrivé dans l'unité comme commandant adjoint en 2015,
quand on m'a présenté les documents de l'escadron, la liste nominative, il y avait entre autres les détachements de Missounge avec 20 éléments à cette époque, en 2015. Mais de dire que c'est l'escadron ou le commissaire provincial qui les détachait, je n'avais pas de précision parce qu'ils étaient dans la liste nominative de l'unité. Le fait pour vous de ne pas signer personnellement les bulletins de service, était-ce une instruction du commissaire général ou bien c'est de par vous-même que vous aviez estimé que ça devait être le commandant escadron, le police des mines qui devait le faire? Oui, dans le contrat de gouvernage signé avec le SNJ. Monsieur le Président, le commissaire provincial signe les contrats. L'exécution, ce sont des commandants des unités. Parce que c'est le commandant d'unité, parce que pour SMB, il veut voir 20 personnes. N'est-ce pas? Comment il va faire? Il va s'organiser pour la relève et consorts. C'est le commandant d'unité. C'est de la même manière, par exemple, maintenant, là, vous ne pouvez pas me demander de signer les bulletins, par exemple, pour Alpha Mine. Parce que Alpha Mine qui est au Walikale. C'est la même chose. On a signé les contrats et signé au niveau du commissariat. Mais les unités, c'est le détachement de c'est-à-dire l'escadron de Walikale qui détache les gens et qui coordonne toutes les activités. Instruction du commissaire général ou bien c'est une appréciation à votre niveau parce que vous pouvez aussi décentraliser la signature. Pour les contrats. Mais la décentralisation pour l'exécution de la mission. Mais oui, les bulletins de service, c'est les commandants, c'est de la même manière que pour tous les autres requérants. Ce n'est pas les tout. Même pour les personnes physiques, ce n'est pas les commissaires provinciaux qui signent, c'est les commandants d'unité qui signent. Si c'est par exemple une mission, par exemple, des unités de protection de VIP, c'est les commandants qui signent, ce n'est pas les commissaires provinciaux normaux qui signent. C'est le commandant d'unité. Le commissaire divisionnaire, mon général. Quand vous étiez là, parce que c'est vous qui avez signé le contrat, après tout, c'est vous qui êtes le consommateur de toutes les qui étiez le consommateur de toutes les activités de la police de la province. Vous deviez en répondre. Étiez-vous informé de la composition de l'unité qui formait le détachement affecté à la SMB? Merci, Monsieur le Président. Je crois que les commandants, ce sont des policiers qu'on a mis à la disposition de l'escadron. Ce sont ces policiers-là qui étaient commis, qui devraient être là. Et je crois que, à mon niveau, les commandants, il y a les commandants escadron. C'était les gens qui sont sur la liste de la composition de l'escadron escadron des mines. Monsieur les activités de la police, vous en répondiez aussi. S'il y a un policier à Béni qui tirait sur une personne, qui tuait une personne, c'est vous qu'on appelait à Kinshasa. S'il y a un policier à Niamey-Liman qui tuait, qui violait, c'est vous qu'on interpellait. Voulez-vous dire que l'unité qui était détachée à la SMB, vous n'avez pas fait le suivi pour savoir qui est qui dans cette unité-là? Parce que un commandant véreux peut recruter ses neveux, ses frères, et il en fait une unité de la police, surtout qu'il y avait une prime. Surtout, $90 ou $100, ce n'est pas peu pour un policier. Donc, un commandant escadron qui a la liberté, le loisir de faire n'importe quoi, de recruter les gens selon son choix, peut recruter n'importe qui. Ses neveux, ses frères,
en fait demander à la police pourvu qu'il puisse gagner ses bénéficiaires de ces 100 dollars de prime. D'où vous devriez vérifier. Vous dites d'abord pas vérifier. Pas l'ordre, il y a du contrôle et l'ordre est exécuté. C'est comme ça que, en tout cas, de 2015, lorsqu'on a signé jusqu'à 2017 que je suis parti, en tout cas, il n'y avait aucune réclamation, ni même dénonciation qu'il y avait tel ou tel problème. En tout cas, il n'y avait pas de réclamation, il n'y avait pas de problème. Je confirmais qu'en 2015, quand je suis arrivé dans l'unité, il y avait sur la liste 20 personnes, 20 éléments que je comptais au détachement de Bissounge. Mais à la fin 2017, l'effectif a varié. Donc, après 2017 Fin 2017. C'était vers quel mois, s'il vous plaît? Le fin 2017, dont vous parlez, c'était vers quel mois? Ça va préciser le mois. Non. Commissaire divisionnaire d'État de la Chambre, était-il toujours commissaire provincial ou était-il déjà relevé? En tout cas, je ne sais pas déterminer s'il était encore là ou il était déjà parti. Non, mais puisque vous dites que c'était vers quel mois? Elle précise qu'il a quitté le Nord Kivu le 24 juillet 2017, donc ça tourne au milieu de l'année. Donc forcément, il n'était plus là à Goma. Détaché ou fait détacher à la SMB. D'où recevait-elle la dotation en armes? Comment ça s'est passé? Les éléments partaient avec les armes individuelles. En tout cas, l'armement était, l'unité, lorsque l'unité était constituée, il y avait une liste d'armement qui était mise à la disposition de l'unité par le commissariat provincial. Je crois qu'on pourrait peut-être appeler le P4 qui a doté. En tout cas, il doit y avoir des transabilités, des armes qu'on a mis à la disposition de cette escadre. Ma question, l'armement dont était dotée cette unité, était-il l'armement affecté par le commissariat provincial ou c'était l'escadron, ou que parce que vous avez dit que cette unité était formée des éléments qui étaient pris dans les différentes polices de mine, ou que chaque élément partait avec son arme et son unité d'origine? Non, unité constituée. Et cette unité, il y avait une dotation. Je ne sais pas, en tout cas on peut vérifier dans l'arsenal, en tout cas des armes qu'on a mis, je ne peux pas dire c'est combien, parce que ça fait quand même déjà un bon bout de temps, mais au niveau des bureaucrates, on doit retrouver les nombres des armes mis à la disposition de cet escadron. Le nombre, ça viendra après. Qui était à son unité, donc l'unité à Bissounzou, qui était là, à part les armes que les militaires ramenaient de leurs, des policiers, pardon, ramenaient de leurs unités d'origine. Parce que les données font état de la présence des militaires avec armes et des militaires sans armes. Il lui a dit qu'il y avait des armes qui pouvaient être considérées comme attachées ou données à perpétuelle demeure à Bissounzou. Qu'en dites-vous? Et d'ailleurs, ça se fait comme ça. On ne donne pas des armes perpétuelles à aux requérants ou bien au site. C'est les commandants qui détachent avec les armes au niveau du site. Ce n'est pas que, en tout cas, on va trouver, on a mis déjà des armes là-bas, non. Hein? Ce sont les armes de l'unité. C'est comme si nous envoyons les gens au détachement.
ils partent avec les armes délimitées. Et sur le bulletin, les armes doivent être reprises sur le bulletin. Et il y a telle arme, peut-être ici, il n'y a pas assez, mais en tout cas, le nombre des armes mises à la disposition du site doit se retrouver sur les bulletins des services. Quand le M23 a été défait, étiez-vous, au nom de qui vous, déjà comme commissaire provincial? Monsieur le Président, lorsque le M23 a été défait, j'étais commissaire provincial. Je suis arrivé. Comme j'ai dit, le M23 a été défait le 5 novembre 2013. J'étais déjà commissaire provincial. La qualité de policier qui avait été affecté, selon que vous aviez vous signé le contrat à la SN. Il nous revient que les policiers qui constituaient une cette unité étaient les anciens du M23 et du CNDP. Étiez-vous informé de cela? Non. En tout cas, lorsque nous sommes arrivés à Goma, nous avions toutes les unités. Parce que nous sommes arrivés au retrait de M23. Nous sommes arrivés ouais, le 4 décembre 2012. C'était avec l'accord de campagne. Et tout le monde, en tout cas tous les gens qu'on a retrouvés, nous les avons récupérés dans un premier temps. Et après, maintenant, on a commencé les contrôles pour maintenant avoir toutes les situations. C'était avec le contrôle biométrique. C'est comme ça. En tout cas, on avait tout le monde. Il n'y avait pas de CNDP, il n'y avait pas de ceci. Tout le monde, en tout cas, était de la police nationale et suivant les gens qu'on a retrouvés sur place. Quand vous êtes arrivé, quels étaient vos adjoints? Pour la première fois, les quatre, j'avais deux adjoints. J'avais Harry Capen pour les opérations et il y a Nzala qui était chargé de l'administration. Après, il y a eu changement. On est passé de deux adjoints à trois adjoints. Je crois que là nous sommes en 2014. Hein. J'avais le premier adjoint, c'était Kunda. Deuxième adjoint, c'était Tchabouine. Le troisième adjoint, c'était Françoise. Et à la fin, maintenant, vers 2015, que l'autre Van est venu. On a travaillé avec Van, Tchabouine et Françoise. Et pas ça, c'était une dame à l'époque. Et non, je n'ai pas le nom. Mais il y avait responsable qui était une dame. À la haute cour militaire d'obtenir du commissariat général le tout premier contrat que vous aviez signé au nom de la République. Pensez-vous que ça serait possible? Normalement, dans le même pas les commissariats, général, mais les commissariats provinciaux, parce que c'est des suivis. Parce que les premiers contrats qui devraient produire le deuxième contrat, le troisième, ainsi de suite. On ne pouvait pas travailler sur le premier ou le deuxième contrat sans considérer le premier contrat. Parce qu'il y a soit on annule les contrats par demande d'une des parties, où il y a modification des contrats. Et ça, il y a un article, je crois, qui parle d'avenant. On doit, à chaque fois qu'il y a modification, il y a un avenant qu'on doit prévoir avec les deux parties. Et même au niveau, peut-être que, même au niveau de la DGRA, on peut retrouver, normalement, on peut retrouver les premiers contrats. Et même normalement, à l'SNB, on doit retrouver les contrats. Je ne pas souvenir, commandant, pour une audience. Monsieur le commissaire visionnaire, je crois que nous avons la haute cour militaire momentanément terminée avec vous. Vous pouvez disposer. Mais
pour besoin de clarification, nous pouvons toujours avoir besoin de vous pour nous aider à découvrir la vérité. Et soyez attentifs. Si vous recevez un appel, un exploit de la haute cour, veuillez venir vous présenter pour éclairer sa route. Merci pour votre présence. Merci, monsieur le président. Ok, bon. Bon, nous, là, l'instruction n'a pas permis à la haute cour de vous suivre pour venir nous éclairer en votre qualité de renseignant. Alors, nous vous demandons d'être disponible le vendredi. Vous allez revenir le vendredi parce que la remise sera contradictoire. Le greffe ne va pas vous envoyer des exploits. Comme la remise est contradictoire, si vous avez votre papier là, vous allez présenter au greffier qui va écrire le verso le vendredi. Comme ça, c'est une justification de l'unité. Nous demandons de bien vouloir disposer, mais d'être disponible le vendredi. Comme ça, je crois que nous allons finir avec. Merci quand même pour avoir merci beaucoup. Renvoyer la pause, doit donner sa position. Et compte tenu du temps, nous n'aurons pas le temps d'aller pour examiner, soumettre au débat la réponse de l'INRP. Elle va donner sa position sur la demande formulée par le prévu. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour la main. Pro-justicière, arrêt avant dire droit. Au nom du peuple congolais, la haute cour militaire siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort ont procédé de flagrance en chambre foraine dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo dans la commune de Barungu. L'auditeur général près la haute cour militaire ministère public et la partie civile de la République démocratique du Congo contre le prévenu Mwanga Chouchou Izzy Edouard, député national, mieux identifié dans l'arrêt, et le prévenu Mouchamali Roy Balik et Robert, commissaire principal de la police nationale congolaise. Place du préambule. Vu la demande de liberté provisoire introduite au nom de leur client Mwanga Chouchou Izzy Edouard par ses conseils, oui, les conseils précités ont exposé de leurs moyens compte à la demande de mise en liberté provisoire. Oui, l'officier du ministère public représenté par le colonel magistrat Dakamwendi Hippolyte, avocat général des forces armées de la République démocratique du Congo, en ses avis faits en réplique à la demande. Oui, toutes les parties en leur contre-réplique, sur quoi le président a déclaré les débats sur cette demande de mise en liberté provisoire clos et la haute cour militaire a pris cette demande délibérée pour rendre l'arrêt avant dire droit dans la teneur suivante. Arrêt. Fait de la présente cause. Les prévenus Mwanga Chouchou Izzy Edouard, député national, et Mouchamali Roy Balik et Robert, commissaire principal de la police nationale congolaise, sont poursuivis devant la haute cour militaire en procédure de flagrance pour les faits ci-après résumés par le ministère public dans son avis dès le premier arrêt avant dire droit. Depuis plusieurs mois, la République démocratique du Congo est dans sa partie est, plus précisément dans la province du Nord Kivu, victime d'une agression rwandaise sous le couvert du mouvement insurrectionnel M23. Dans leur conquête des portions du territoire congolais, successivement les territoires de Rutshuru,
Nyiragongo et une partie du territoire de Masisi ont été occupés par ce mouvement rebelle. Ce mouvement avait même brièvement investi la cité de Rubaya dans le territoire de Masisi qu'il avait brièvement occupé avant d'être délogé par les natifs du coin organisé en groupe d'autodéfense. Voulant consolider leur position, les natifs de Rubaya entreprendront de sécuriser les sites sensibles, notamment les installations de la société minière de Bisunzu, en sigle SMB, localisée dans cette cité. C'est pendant qu'ils s'y activaient qu'ils tomberont en date du 28 février 2023 sur une cache d'armes et, intrigués par cette découverte insolite, ils décideront de pousser les recherches plus loin. Avec raison, car le 1er mars 2023, ils découvriront une autre cache d'armes toujours dans les installations de la société minière de Bisunzu, SMB en sigle. Cette situation s'est rapportée à la connaissance des services provinciaux de sécurité qui en informeront les renseignements militaires à Kinshasa. Étant donné que la société minière de Bisunzu SMB est, au dire du ministère public, propriété de Sieur Mwanga Chouchou Izzy Edouard, député national résident à Kinshasa, les OPJ du renseignement militaire jugeront impérieux d'interpeller urgemment le précité pour raison d'investigation sécuritaire avant de perquisitionner sa résidence pour rechercher d'éventuels objets ou documents pouvant révéler un lien entre ces députés nationaux et les caches d'armes découvertes dans sa concession de Rubaya ainsi que le mouvement rebelle M23 qui venait d'être chassé de cette cité. C'est ce qui fut fait dans la nuit du 1er mars 2023. Ils ne s'étaient pas trompés car ils découvriront notamment des munitions d'armes de guerre, pistolets GP 9 mm, une gaine de la dite arme de guerre, des matraques électriques et des indices pouvant, au dire du ministère public, faire croire à un lien entre le prévenu Mwanga Chouchou et les effets militaires saisis dans sa résidence de Rubaya. S'étant saisi de la personne du prévenu Mwanga Chouchou pour la découverte des armes et munitions de guerre, ainsi que de divers autres effets militaires tant dans les installations de la société minière de Rubaya que dans sa résidence à Kinshasa, quelques jours après que les rebelles du M23 aient été chassés de cette cité, le renseignement militaire mettra ce député national à la disposition de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo qui, considérant la gravité des faits mis à sa charge et leur actualité, décidera de le traduire sur le champ à l'audience de flagrance de la haute cour militaire dont il est justiciable à raison de son rang de député national et de la nature des premières infractions mises à sa charge, à savoir la détention illégale d'armes et munitions de guerre et la participation à un mouvement insurrectionnel. C'est ainsi que, toute affaire cessante, la haute cour militaire introduira, en date du 3 mars 2023, en procédé de flagrance, l'affaire auditeur général près de la haute cour militaire, ministère public, contre le prévenu Mwanga Chouchou Izzy Edouard, enrôlé sous RP numéro 031/2023. En date du lundi 6 mars 2023, le prévenu Mwanga Chouchou Izzy Edouard sera rejoint à la barre par le commissaire principal Mouchamali Roi Balike Robert,
de l'escadron police des mines qui commandait le détachement de la police minière de la concession minière de Bissounzou. Après une première demande de mise en liberté provisoire rejetée par la haute cour militaire, réintroduit une autre demande de mise en liberté provisoire ou en résidence surveillée. À l'appui de sa demande, il avance les motifs ci-après. 1. Moyen exposé par le prévenu Moanga Chouchou, Izzy Edouard. Dans la motivation de sa nouvelle requête, le prévenu Moanga Chouchou, Izzy Edouard, relève qu'en dépit du fait que sa première demande fut rejetée le 14 mars 2023, plus de 15 jours s'étant déjà écoulés, s'appuyant sur les articles 17 alinéa 1 de la Constitution et 45 alinéa 2 et 4, l'article 76 alinéa 1 et 3 de la loi organique du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, l'article 60 de l'ordonnance numéro 344 du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire, il est en droit de soumettre à la haute cour militaire une autre demande de mise en liberté provisoire ou en résidence surveillée et ou d'évacuation sanitaire. Appelé à exposer les motifs de sa requête, agissant par ses conseils, le prévenu Moanga Chouchou, Izzy Edouard, a, dans le point 1 de sa note de plaidoirie, d'abord rappelé, ainsi que ci-après résumé, les faits relatifs aux antécédents pathologiques et médicaux de leurs clients, à savoir son opération chirurgicale du cœur en Afrique du Sud en 2019, après son évacuation d'urgence vers ce pays par un avion médicalisé, situation attestée, selon lui, par son dossier médical tenu au CMK, voire compte 2 à 6 du dossier médical soumis à l'appui. Il affirme qu'à cause de cette intervention chirurgicale, il devrait se rendre à l'étranger pour le suivi et traitement de sa situation. Deuxième tiret, son opération au niveau de la hanche, en soulignant qu'à cause de cette pathologie, il doit aussi retourner à l'étranger pour éventuellement y subir une autre opération aux fins de la pose d'un appareil médical arthroplastique, soit le remplacement de la hanche. Il relève lui-même qu'en cas d'extrême urgence, le CMK, Centre Médical de Kinshasa, bien sûr, formation médicale traitant tous les députés nationaux à Kinshasa, intervient et joint pour preuve la pièce côté 24 dans son dossier médical soumis à cette cour. Par ailleurs, toujours par ses conseils, le prévenu a fait état de ses rendez-vous sanitaires manqués en Belgique, à l'hôpital Saint-Luc, à Dubaï, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Et il affirme avoir été pris en charge par le service médical de la prison militaire de Ndolo, où il est détenu actuellement. Mettant en exergue son âge, 70 ans, il affirme subir à ses jours des pressions et dépressions de tout genre liées à la vie carcérale. Ressentir des palpitations cardiaques, des douleurs lombaires, d'hypertension, des maux de tête et des pertes de vision ou affaiblissement continu de la vie. Enfin,
L'honorable député national prévenu affirme qu'à cause des douleurs lombaires et de l'impossibilité pour lui de se tenir debout seul, il utilise des béquilles dans ses déplacements pour les audiences, sans pour autant s'imaginer les dégâts et autres conséquences. Ainsi, l'honorable député national, qui affirme être déterminé à faire éclater la vérité dans cette cause, sollicite sa mise en liberté provisoire ou son assignation en résidence surveillée parce qu'il doit vivre et être en forme physiquement et mentalement pour lui permettre de faire éclater la vérité et défendre ses droits. Tout en rassurant que sa fuite n'est pas à craindre et que son identité n'est pas douteuse dans la mesure où il est député national. Santé! Profilez le commandement. Droite. Deux. Fou. Santé. En main. T'appuyant avant dire droit en matière répressive, en premier et dernier ressort, publiquement et contradictoirement, à l'égard du prévenu Mwanga Tchoutchou Izzy Edouard et le commissaire principal Mosha Maliwa Malik Robert, à la majorité des voix des membres de sa composition, après vote au scrutin secret. Le ministère public entendu. Vu le dossier de la cause, vu la constitution de la République démocratique du Congo, 105, 107, 153, 156 et du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire. Considérant la situation qui sévit dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, vu l'ordonnance numéro 78-280 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions des officiers et agents de police judiciaire et juridictions de droit commun, l'honorable Mwanga Tchoutchou Izzy Edouard, vu l'arrêt avant dire droit prononcé par la haute cour militaire en date du 14 mars 2023. Disons droit. Dit la requête de mise en liberté provisoire ou en résidence surveillée, introduite par le prévenu honorable Mwanga Tchoutchou Izzy Edouard, recevable mais non fondée, et la rejette. Dit que le prévenu sera gardé en état de détention préventive jusqu'à l'arrêt quant au fond. Réserve les frais. Ainsi arrêté et prononcé par la haute cour militaire en son audience publique de ce mardi 6 juin 2023 à laquelle on siégeait, greffier du siège. Arme au pied. Arme! Bon, je pense qu'il n'y a plus rien au rôle. L'audience de ce jour et la remise est faite contradictoirement pour le vendredi. Portez à demain. Monsieur le président de la haute cour militaire, audience de ce jour est suspendue. Arme au pied, repos. Zone, mon général. Amen. Oh.
ma mission TV, le miroir du monde.